C'était un grondement comme ça. Et puis, de la poussière, et les oreilles se sont bouchées. Et là, nous avons réalisé que quelque chose d'important s'était passé. Je venais de commencer. Quand l'accident est arrivé, j'étais avec la compagnie San Esteban depuis 3 jours. Je suis de ceux qui, lorsqu'ils entrent dans une mine, se confient à Dieu comme il se doit. Pour nous, c'était clair qu'ils devaient viser le secteur du refuge, et c'est là que nous devions être.